Et le coup d'envoi de cet avant-dernier match du samedi est donné. Avant-dernier match du groupe B, le groupe A est d'ores et déjà terminé avec, on peut déjà vous donner le classement. Atlético Madrid premier, Servette FC deuxième. Et ensuite Tottenham Hotspur troisième, fermant la marche le Merin FC. Et le match que nous allons suivre maintenant, c'est l'Ajax d'Amsterdam. Vous les aurez reconnus face au FC Bâle et vous les aurez aussi reconnus, je pense. Le dernier match donc pour ces deux équipes dans ces matchs de classement. Effectivement, De La Vega. Attention, ils sont tout seuls. Le contrôle, la frappe. Oh, c'est passé juste à côté. Oh là là, ce qu'il a raté là. Alors, ça aurait été peut-être le but de la journée, ça. Après 4 minutes 38 de jeu, grosse occasion pour l'Ajax sur ce coup de pied arrêté. De La Vega et qui est repris. Et là, il y a une bonne possibilité de contre avec Stabile. Il a sous terre sur sa droite. Il l'a vu, il transmet la frappe de sous terre. Ça passe au-dessus. Et pour terminer, on vous l'a dit. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un petit exploit du côté de la Geneva Cup et de tous les tournois. C'est le club América qui est venu droit du Mexique. Donc c'est vraiment un tournoi international, hein, parce que jusque-là c'était un tournoi plutôt européen. Et avec la venue des Mexicains du club América, ça nous donne vraiment une dimension internationale à cette Geneva Cup 2016 sur ce dégagement de Rich Grock. Alors on a pu orienter Familia Castillo qui a un peu d'espace, il a déjà mis éventuellement, et non la frappe, oh là là, super Familia Castillo, il a failli mettre un but d'anthologie là, ça aurait mérité meilleur sort effectivement. Le dégagement pour Vesco, c'est très bien fait Vesco, très intelligent, oh superbe la passe pour Kama qui devance la sortie du gardien, la frappe, oh c'est trop mou, et le sauvetage de Margaret, quelle occasion là pour les Ballois. Nicolas Sutter pour frapper le coup franc. 36e minute, Sutter s'est frappé directement. Oh là là, extraordinaire, mais quel coup franc. Nicolas Sutter couvre le score sur une frappe magistrale qui a laissé absolument aucune chance à Rich Grock. Et le FC Bâle qui fait la bonne opération là pour l'instant. 36e minute, comme on vous le disait. Et l'ouverture du score avec ce but qui leur permet pour l'instant prendre les 3 points. Il reste encore 3 minutes 30 à jouer dans le temps réglementaire de ce 11e match de cette première journée de Geneva Cup avec Familia Castillo qui a glissé. Ouh là 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 là. Ça c'était... Il y a eu des sueurs dans tout le stade là sur cette frappe. Attention avec Redan, c'est très bien fait. Oh là là, Redan double crochet, il frappe au fond. Et voilà, alors c'est pas qu'on s'ennuyait pendant ce match, mais on n'avait pas vu beaucoup d'occasions. Et c'est un peu une habitude aujourd'hui, on se réveille en fin de match de part et d'autre. Elle pourrait coûter cher. Sutter qui peut écarter sur Kama justement. Kama qui tente de rentrer. Kama le centre. Un ballon qui traîne, la frappe, c'est sauvé in extremis, attention. Les Ballois qui n'ont pas dit leur dernier mot. Sutter, superbe, le râteau de Sutter. Il tente de trouver un coéquipier, c'est contré. Et le ballon qui va rester dans les limites du terrain. L'Ajax d'Amsterdam qui va pouvoir se relancer. Intervention de l'arbitre pour cette faute sur Godiano. Le numéro 8, Leandro Godiano, qui s'est retrouvé à terre. Et nouveau coup franc pour les Ballois. Alors bon, celui-ci, il ne sera pas pour Sutter parce qu'on est très tôt. Alors, on s'est joué très vite. Attention, Sutter, il est présent. Sutter, qu'est-ce qu'il va faire? Il ouvre le pied, il bute sur Rich Grock. Ça va donner un corner pour les Ballois. Mais alors, quelle fin de match. Il peut prendre le ballon et pousser encore un petit peu. Godiano, entre deux joueurs, il se retrouve à terre. Pas de faute, ni de Dest, ni de La Vega, estiment les arbitres. Et le coup de sifflet final ici qui voit le FC Bâle et l'Ajax d'Amsterdam se séparer sur un score nul de 1 but partout.